derrière et vers la pointe. D'accord? Donc c'est celui-là qu'on va essayer de limiter comme mouvement. Donc dans ce cas-là, on part le pied à 90 degrés, c'est-à-dire dans sa position neutre. C'est-à-dire que pas trop tiré et pas sur la pointe, parce que quand vous, si vous mettez sur la pointe, quand on va mettre la structure, elle va être détendue. Donc elle sert à rien. Si vous mettez trop retenu en arrière, bien évidemment, il ne pourra pas tendre la pointe du pied. Et quand on tend la pointe du pied, c'est le mouvement de l'appui du pied pour la propulsion, donc pour avancer. Donc on part position neutre. Deuxième chose, malléole, une travers de main. C'est la taille du strap. Le strap de cheville va arriver jusqu'ici en haut de la travée de travers la main. Et pareil en dessous, ici, il va arriver ici. Donc, on part, hop, un tour pour la construction. C'est ce qu'on appelle des embases. C'est sur lequel on va construire. Et la même chose au bout du pied. Sur le pied, un petit détail, on évite les plis sous le pied, surtout. Parce que vous marchez sur le strap. Donc, si vous avez un pli, vous savez, c'est comme le caillou dans la chaussure. Vous allez supporter 5 minutes, mais pas plus. Alors, là, je le pose sans tension, ça, parce que c'est en fait c'est la construction. Donc, ça ne me gêne pas qu'il s'étende et qu'il se détende. Ça va être, c'est l'intérêt, c'est de mettre les bases du strap pour qu'il soit bien cohérent avec l'ensemble de la cheville. Voilà. Si c'est là que ça va adhérer surtout au pied, le strap. Tout ce qui va être construction autour va permettre de maintenir cohérent autour de la cheville, mais celle-là, c'est surtout pour coller au pied et à la cheville. Alors, comme on veut limiter ce mouvement-là, on va commencer ici. On va commencer avec deux étriers, ce qu'on appelle des étriers, c'est-à-dire on passe dessous et on revient en tension de la bande, bien évidemment, comme elle ne peut pas s'étendre, au niveau des malléoles. La première, c'est au niveau des malléoles. Comme ça, on va éviter le mouvement dans l'axe ici. On en fait un deuxième juste devant la malléole externe. Comme ça, comme il est devant la malléole externe, on va éviter de partir trop vers la pointe. Ça, ensuite, on part au milieu de l'embase. On va passer juste au-dessus de la malléole pour aller crocheter le talon et revenir en suivant le chemin de la bande. La bande va vous guider. Une fois que vous mettez bien la bande au départ, comme elle est rigide, il suffit de suivre le mouvement. Ça suit tout seul son mouvement. Et vous voyez, ça arrive tout seul au bout. Comme ça, on évite que le talon, lui, parte vers l'intérieur. Deuxième chose, on fait la même chose dans l'autre sens. On passe au milieu, au-dessus de la malléole, et on suit le mouvement. Toujours en évitant les plis. Et hop, on arrive ici devant. Une fois que vous avez ça, votre cheville, elle ne peut pas partir là, elle ne peut pas partir ici. Et comme quand vous avez un appui, ça part du talon, le talon ne peut pas partir dans un sens et dans l'autre. Donc l'ensemble de votre cheville ne peut pas partir. Dans le cas d'entorse grave, donc quand on est sur le terrain, on rajoute une bande supplémentaire en diagonale ici. Pour éviter qu'elle reparte vers l'avant. Ça fait une double protection. Ensuite, pour garder l'ensemble de la cohésion du strapal, on fait un demi-tour ici sans passer dessous pour éviter la circulation, de bloquer la circulation. Et un tour au niveau de la cheville, pas totalement complet. Pareil, pour éviter de bloquer la circulation au niveau du pied. Une fois qu'on est là, on termine tout simplement en faisant le tour
pour ensemble garder la cohésion avec la chemise. Comme ça, le strap sera proche de la cheville et bougera pas. Toujours pareil, on évite de faire des plis. Le passage délicat, c'est celui du talon. Et on évite de terminer dessous pour éviter. Voilà. Ça, c'est un 9. Un quart. Et là, un demi-rouleau d'élasto. Économie. Quand on met un rouleau entier sur deux d'élasto et que c'est pas super cohérent. Là, la cheville ne partira pas et vous allez faire des économies d'élastos.